Hein? Tu es content comment? On est content, on sourit. Non, non, non. Pleure. Que tu as? J'ai l'esprit de la sorcellerie en moi. Comment tu as contacté ça? La grand-mère qui m'a donné. Quelle grand-mère? Adèle. Elle est où? En Italie. Elle est Adèle? Elle est à Polo. C'est qu'elle mange là-bas? On mange tous les blancs. Comment est-elle dans la société? Elle est à Italie. Dans quelle ville là-bas? À Milan. À Milan? Je connais Milan. Je suis déjà passé à Milan. Je suis allé à Florence. Très belle ville. Ouais. Non, attends, attends, va te calmer parce que ta voix là, tu es. Monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Donnez deux chaises, s'il vous plaît, au pépé et à la mémé. Donnez deux chaises. Gardez la vie de ma grand-mère. Tu as fait quoi? Gardez sa main. Comment? Comment tu as fait? Comment ça? Parle bien, parle fort. Le micro, on ne donne pas, non? Il y a une poussière dans sa main. Comment tu as fait? La main de qui? Que n'est pas là. La main, tu bouges, tu prends les images. Non, tu ne peux pas bouger, c'est toi qui dois bouger. Oui? Tu as coupé comment ses cheveux? Ici là, tout ici là est coupé. Il a mangé ça? Tout, bien sûr, tous mes cheveux. Tu es coupé? Le petit a coiffé. Alors la vieille, tu nous as trafiqué. C'est péri. C'est péri. À Paris là, faut pas jouer. Devant vous voyez là, c'est péri. Quand ils démontent ça, poule. C'est péri. Elles ont tous péri. On avait la purée qui m'a sauvé. J'avais sauvé, mais... Et il a mangé. Tout est coupé. J'ai fait quoi au vieux? J'ai regardé sa main aussi. J'ai monté sa cochonne. Vous faites une tasson de combien? Oh, ça prend le bain. Hein? Bain. Même sur les médicaments. Sans les médicaments. Mais quand tu prends les médicaments? Ça diminue. Jusqu'à combien? 16-14. C'est depuis quand vous avez constaté que la tension montait? Parce que je n'ai pas entendu. La tension monte. Vous avez des vertiges, c'est ça? Oui. C'est comment tu perds? C'est quoi que tu as fait ton temps? Sa maladie. Tu as déjà dit ça? Diabète. Il y a deux dangereux maladies. Il y a deux là, ça se suit. Tu es au régime sévère. Oui, je suis au régime sévère. Et qu'est-ce que ça fait à l'autre? Je lui ai donné une maladie. Il a gardé sa main aussi. Et puis, il voulait que un jour, il se trompe. Il se suicide. Il lui a donné l'esprit de suicide. Ça t'arrive souvent? Hein? Ça t'arrive de vouloir te donner la mort? Il a couru depuis le suicide, ça t'arrive. Ah oui? 2013. Hein?
Tu as mis un esprit de suicide dans lui. Mais pourquoi? Où venez-vous? Vous venez ici. Qu'est-ce que vous avez constaté pour l'avoir encore venu? On a fait prier. Mon fils a fait prier parce qu'il avait problème. Il a mis boisson, la drogue, des trucs sur mon enfant. J'ai après prié, il vient ici. Il allait, quand ils ont quitté, 6 ans, ils ont quitté Darwa pour venir pour fréquenter les vacances. Mon fils, on a mis en prison, il n'a rien fait, on a attrapé comme ça, mis en prison. Le jour-là, j'étais en prière matin. Je sortais, il y a vu deux personnes, ils sont venus. J'ai dit, il y a quoi? Ils ont dit, il y a rien. Je suis venu vers à 7h, prière, je suis arrivé, on dit, on a mis mon fils au commissariat. On dit, il a mis à main, il est temps. C'est pas un mouvement, c'est pas un mouvement. On a mis en prison. On a dépensé plus que 2 millions, 3 millions pour ça. Avant qu'on a laissé. Mais quand même, il a fait 6 ans. Et 6 mois en prison. Tout ça, c'est du 1 million. Après. Mais là, comment vous avez constaté qu'il est sorti? Oui. Après, prier, il a laissé la drogue, il a laissé boisson, il a laissé. Non, lui. Comment vous avez su? Oui, mais lui, il a fait prier. Ouais. Il a fait. Carême. Après carême, il a prié une semaine sans manger. Après, il a vu un rêve que ça là est sorti. Il a dit, ah, toi, tous les jours tu dis, il a fait ça. Il dit, maman, toi, dis la vérité. Il dit, oui, je suis sorti. J'ai mangé sans personne. J'ai coupé tes cheveux. Mais j'ai bien aussi, quand c'est coupé, je n'ai pas dit à personne. Hein. Je ne m'aime pas parler à personne parce que je ne comprends rien. Et puis toujours, j'ai fait tout. Mon esprit n'est pas fait comme quelqu'un qui a coupé ou quelque chose. Il dit peut-être ces produits-là qui a. Quand il a dit que j'ai coupé tes cheveux, c'est là que j'ai su que. Mon mari aussi, il a eu problème de maladie. Ma papa, ça croissait à grossir. On dit on va faire opération. C'est dit on allait à Dabou, on dit on va faire opération. Mais quelque chose nous fait d'arrêter pour attendre. Pourquoi toujours on voulait faire opération? C'est comme quelque chose nous blanc, quelque chose nous blanc. C'est là mon fils m'a dit qu'il a vu quelque chose dans Internet. Les prophètes, on va aller là-bas. Et toi, nous. Depuis qu'on a su qu'elle est sortie là, ah, moi avec mon fils, à minuit, on est dessous. Fais, il est venu taper la porte de mon fils. Je sais, fais, mais. Brûle. Hein? Hey, moi j'ai prié papa. Hey, on priait le feu de brûler. Comment ça? Quand ils ont prié le feu de brûler. On est déçus. Et qu'est-ce qu'on a tué combien de personnes? 100 personnes. Comment tu arrives à tuer ta victime? Il y a des fois, il est nos voisins, il y a des fois, il est chicote. Tu tues comment les gens? Oui, dans les chicotes. Oui. Il a tiré à mon fils. On a donné une noce. Une noce, ils vont plus la vie. Une noce? Oui. Les papes, la somme est restée. Oui. Qu'est-ce que sont des dégâts? Qu'est-ce que sont des dégâts que tu as causés? Dégâts. Tu n'as pas tué, tu n'as gâté pas les trois personnes, tu as fait quoi? Tu fais quoi? J'ai fait rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme pouvoir? Comme pouvoir.
Tu n'as pas encore dit quelque chose que je voulais que tu dises. Le pasteur son nom. J'ai fait un tatouage. Non, ton doigt là, c'est une flèche. Le doigt, le côté. Ça, c'est une arme. Quand tu le dresses comme ça là, c'est une flèche qui sort pour tuer les gens. Hein? C'est à toi je parle. Oui. Vrai ou faux? Alors, mais pourquoi tu ne parles pas de ça? À part l'os, ça là, c'est en danger. Quand tu le veux comme ça, tu tues les gens avec. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Luc l'a déjà tué, c'est ça? Oui. Luc l'a déjà tué, il le mangeait. Oui. Est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as déjà dit ça? Il l'a déjà tué. Non. Tu n'as pas dit. Nous allons prier. Moi, je suis occupé du dossier. Non, venez. La maman, là, d'abord, viens. Vous avez déjà la foi, c'est ça? Vous savez, Jésus l'a vécu. Je proclame ta délivrance, la délivrance de ton âme, la délivrance de ton esprit et de tout ton être. La puissance que tu sens de Jésus. Je commande aux esprits de partir. Achève. Libérez son âme. Libérez son esprit. La puissance. La puissance de Jésus. Le coup de délivrance, occupez-vous du dossier. Immédiatement, amenez-la. Bien petit. Le petit est vraiment très dangereux. Le 30, ce 30, elle avait prévu un accident sur ta vie. Elle est sortie, une voiture a été percutée. Le sang allait couler, ça allait devenir force. Toi qu'elle est mourue physiquement ici, et puis l'autre avait su, parce que lui était déjà mort, effectivement elle allait mourir de suicide. C'est pas ça? Le 30. C'est là que tu vas rester, je vais te maintenir ici, juste après la fête. Obligé. Je vais bien maintenir ici. Venez. Également sa destinée, lâcher sa vie. Toute présence qui n'honore pas Dieu dans ce corps est maudite et détruite. Toute présence qui n'honore pas Dieu dans ce corps est maudite et détruite. Je proclame ta délivrance, la puissance de Dieu. Je libère ton âme,
je libère tout ta destinée. Seigneur, merci. Agis pleinement dans sa vie et de le délivrer. Merci parce que Jésus-Christ libère ton âme. Merci parce que Jésus te délivre. Merci pour le miracle de la délivrance que tu accordes à ce jeune homme. Merci. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Tu es délivré. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Mais tu dis pas dans tes aveux, tu confesses pas tout. Tu es limité dans tes aveux. Ce que je veux dire. Que tu n'as pas encore dit. Ce que tu as envie maintenant de dire que tu n'avais pas encore dit. Je veux dire que mon petit frère aussi est dans la ville de parents. Je n'avais pas eu ma maman. Ils sont où? Ma maman est là, je nous l'ai dit, mon frère est là d'abord. Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai gâté la main, je ne pas mon père et mon frère. Donc toi, ta spécialité, c'est gâter main. Ouais. De rendre les gens pauvres. C'est ça? Oui. Mmh. Tu fais quoi encore? Oui. J'ai gâté la main et la main de mon père et mon frère. Tu as donné l'esprit du voyageur à ton père. Oui. C'est ce que tu as fait au jeune homme, là, c'est ça? Oui. C'est ce que tu as fait à ton père. Oui. Tu as fait quoi encore? Ramenez la petite là. Il a rendu méchant. Tu avais dit quoi? Non, on a ceux qui pleuraient. Ceux qui pleuraient. Voilà. Pourquoi? Tu m'as tiré ça aussi? Debrue toi. Tu as gardé son argent. Tu veux qu'il te donne quoi? La petite qui est envers, là, qui est envers. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Tu n'as pas dit que tu transformes en souris pour aller souvent manger les trucs des gens. Je suis déjà dit ça. Mais pourquoi? Tu n'es pas prêt à parler. Mais tu dirais. Mais pourquoi ça doit sortir de moi? Ce n'est pas ta passion. Oui. Venez ses parents. Nous vous informons que nous filmons tous nos aveux, tout ça ici. Qui est d'abord la sorcellerie? Vous êtes son père? Comment vous avez constaté sa sorcellerie? À la prière de ton frère qui est à Paris. À ton frère est à Paris. Et il prie de celui qui a vu. Depuis Paris. Comment? Dieu l'a révélé ça dans ses prières. Puis on a une grande soeur aussi qui est beaucoup chrétienne. Donc, son mari est pour elle, dans leur prière, j'en suis que... Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On a pas cru que le séminaire, dans le but de pouvoir la soigner. Séminaire, c'est pas vrai. Enfin, beaucoup d'églises, dans le but de pouvoir les aider. Vous êtes un païen. Pas que je suis païen. Ah, mais c'est qu'un séminaire. On ne dit pas quand des prières, même. Ah. Et puis... Après, elle a commencé à faire des aveux, beaucoup d'aveux. Donc, elle a dit quoi? D'abord, elle a bloqué ma carrière musicale. Et tu es artiste? Oui. Tu fais quel style musical? Variété côté des carrés. Bloquer ma carrière musicale. Vous les artistes là? Elle couche avec mon grand français. Je suis artiste là. Oui, c'est vrai, je vous mets en garde. Parce que quand vous passez ici après ça, ça devient autre chose, vous tournez ici. Oui, si, ou bien. Après ça, ça devient autre chose. Le fils de Yodé est venu ici. Yodé pleurait les temps pleurs pour qu'on délivre son enfant. Depuis Paris, ils ont fait venir l'enfant. Mais ça fait toller dans toute la Côte d'Ivoire. C'est rentré ici, c'est rentré là. C'est parti comme ça. Yodé, Lato a été délivré ici. C'est devenu encore. La presse a pris ça. La dernière fois, on m'interrogeait, on faisait une interview. J'ai dit, je n'ai rien à voir la vie de Yodé. Ce n'est pas lui qui me donne à manger. Je ne vais pas parler de lui, parce que c'est sa vie. Vous allez prendre ça pour titrer ça sur un journal et puis vous allez gagner l'argent. Oh, les journalistes, là, vous voulez voir ça dans ma bouche. Comme il a parlé, vous voulez que je parle, vous allez mettre ça titre, vous allez vendre. Je ne dis rien. Tout compte fait, Dieu seul est témoin. C'est lui qui est venu, son enfant ici. Je l'ai aidé parce que c'était une personne en détresse. C'est dans le bureau ici. L'enfant fait des aveux ici, il a fait des aveux à Zaro.
Quand on vous prend, après ça, c'est une autre chose. Voilà. Ça devient autre chose. Nous, on vous a dit ici, il y a les papiers ici. Quand vous venez, on enregistre. On vous dit, tous nos trucs sont filmés. Nous avons un site, c'est pas pour vous faire voir, mais c'est une chaîne de télévision que nous avons sur le net qui permet à certaines personnes de suivre nos activités, parce qu'au travers de ça, ça ouvre l'esprit de beaucoup de personnes et puis ça les amène à comprendre que le sujet est très sérieux et il y a des enseignements à l'appui. Voilà, c'est pour ça que nous sommes sur le net, c'est pas pour faire une publicité. Tout le monde est sur le net. S'il y a pornographie sur le net, pourquoi pas les bonnes choses sur le net. Même il y a les cannibales. Je suis rentré, j'ai fait exprès, je suis rentré sur un site cannibale où les gens mangeaient, véritablement les gens, les êtres humains. Film. Sur tout cela, sur cela, les vilaines choses. Ce n'est pas les bonnes choses qui passent sur Internet. L'Internet, ce n'est pas forcément des vilaines choses. Il peut y avoir des bonnes choses. Comme notre site, qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de la sorcellerie. Mais les artistes, c'est ça, tu as vu un peu. Tu es artiste comment? Depuis quand? Depuis 2000. Tu es artiste, tu vends. Ton mari? Ah, on n'est plus ensemble. Non. Mais pourquoi? On va vous réconcilier. Amen. Non, on dit on ne peut pas. Et puis dit amen. On dit on ne peut pas vous réconcilier. Le mur est déjà dressé. C'est bien. C'est pas difficile maintenant. C'est bien. Vous vous attendez? C'est très bien. C'est ça. Si on ne peut pas vivre ensemble, on n'est pas ennemis. Mais il y a un sujet. Ta maman qui vient dans la société? Non. Ah, ta mère. Elle est vieille en Italie. Et ta maman est partie en Italie. Elle est allée faire quoi là-bas? Faire une rééducation après être soignée sur tout. La maman. Non, film, mais ça ne vous dérange pas. Non, ils savent. Ils sont toujours au courant. C'est eux qui m'ont conseillé à l'église. Ok. Donc, tu es convaincu que tu es soigné. Et tu as fait quoi? J'ai fait mon paquet de. D'où vient le problème? Mais tu t'en fiches quand même. J'ai pas bien compris. Le micro il donne pas en direct. Ah donc faut parler. J'ai fait pour ne pas que ma maman se marie. J'ai gâté la carrière de c'est ça? C'est pas marié? Non, c'est quelqu'un, mais c'est pas marié. T'as pas encore déclaré? Non. Tu travailles pas? Non. Tu as gâté? Le travail, pour la grande chose de papa. Bon, écoute, tu pleures ou tu fais des abos? Tu choisis. Je fais les abos. Donc, tu laisses un ou tu fais les abos. Si tu continues d'avoir les larmes aux yeux, on va te laisser. Parce qu'on ne te met pas sur une pression. Ce sont tes parents qui t'ont envoyé ici avec ton accord. Tu étais d'accord avec ça? Pour qu'on te délivre, c'est vrai? Maintenant, les larmes viennent pour toi. Hein? On est content, on ne pleure pas. Vous voulez qu'elle soit délivrée? Oui. Vous avez peur? Non, c'est notre premier souhait même. Est-ce qu'elle risque de vous manger si elle n'est pas délivrée? Elle dit, m'a déjà livrée. Ah. Elle dit, m'a déjà livrée. Vous êtes mangée? Oui. Le 1er janvier. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Même sauce tomate, au riz gras. T'écoute. La grande joie de mon papa. Non, tu n'as pas encore fini ceux qui sont ici. Il faut finir ceux qui sont ici avant d'aller loin. J'ai dit, j'ai gâté la carrière de mon papa. Puis j'ai fait Non, tu dis pas concrètement ce que tu as fait. Voilà. Tu dis pas concrètement. Tu sais, moi je suis habitué aux aveux. Or, dans les aveux, mon intervention n'est pas trop utile. Parce que c'est ce qu'on appelle les confessions.
ce que tu as fait, que tu dis, et puis on te délivre. Je viens intervenir dans le but de t'aider. Mais ce n'est pas moi qui l'ai du tout dit. Quand tu dis que tu as gâté la carrière musicale de ton père, c'est-à-dire que c'est une carrière. Tu l'as fait comment? Il y a quelque chose qui est là, tu allais cacher quelque part, qui fait que ça, son étoile ne brille plus, il ne doit pas réussir dans la musique. C'est ce que les détails là dont j'ai besoin. C'est, je ne sais pas si je me suis posé pour dire. Où tu as mis la carrière là, son étoile, sa gloire là, où tu allais cacher? Tu as dit cacher son bain de l'eau. Vers où ça? On va le comment tu as fait ça? J'ai tu as tué combien de personnes? Tué 5 personnes. Comment tu fais pour tuer? Je me transforme souvent en corbeau, en cafard, en mouche, en sang-chevelu, en hibou. Je vais tuer. Oui, je me transforme en hibou. En hibou, oui. Et quand tu transformes en hibou, tu fais quoi? Comment qui va être en hibou? Tu transformes en quoi encore? Je transforme en cafard. En cafard. En cafard. Et tu fais quoi? Je rentre dans la vie de la personne. Habit de la personne. Vous avez compris? Tu rentres dans son habit, tu fais quoi? Je suis son fond. Dans de temps en temps, les vers vous avez mis dans les trucs. Réveillez ça. Il ne faut pas les cafards en compte. Non, on fait les cafards. Tu rentres, oui, on fait les cafards. Tu rentres dedans. Les cafards sont morts cette semaine. Tu es partout. C'est même pas utile. Les cafards ont des maladies d'ailleurs. Et c'est un instrument, les sorciers peuvent utiliser ça. Donc, tu, quand tu as ça, tu t'en fais un cafard. Et tu fais quoi ça? Je rentre dans la vie de la personne. Je suis son sang. Tu cherches son sang. Quand je vais dans le camp, je vomis son sang. Tu vomis le sang. Dans le sang, dans les canaries. Et maintenant, lui meurt ici. Tu as fait que tu te transformes en quoi encore? En hibou. Oui, tu as déjà dit. Hibou, kafa. En corbeau. En corbeau. Et quand tu vas en corbeau, tu fais quoi? Je m'arrête. Je laisse les gradus de maison déjà. Et quand je pique, je te la personne là. Les enfants sont dessus, la personne est ici, là, quand je pique, là, quand ça continue, ça fait une option de l'heure, puis je prends son arbre parti. En quoi encore? Transforme en mouche. Hein? En mouche. Mouche, c'est différent de ça. Quand tu fais un mouche, ouais. Je mange pas sous sa nourriture, il y a des flammes sous sa nourriture, puis quand je mange la vous ne priez pas pour manger. Donc quand il y a la nourriture là, tu viens, tu tournes, tu mets le poison et tu es parti. Bien compris. Priez un jour avant de manger. Quand tu mets le plan, ne poursuis pas. Tu rends grâce au Seigneur, tu sanctifies. On dit tout est sanctifié par la prière. Et vous priez et puis bon, ça neutralise le pouvoir satanique. Oui. Oui, quand tu changes en chaussures, tu fais quoi? C'est quand il y a toujours un arbre devant une maison. Je viens derrière la personne. Ma petite doigt, je tape derrière son dos. Au bruit, quand tu prends son âme. Ah, d'accord. Donc tu touches son dos, et puis tu prends son âme, tu t'avances. Tu as tué 7 personnes. On peut avoir les noms? Là, vous avez déjà dit les noms? Tu peux dire? Oui. On y va. La Pascal. C'est qui ça? C'est une fille qui vivait à Comasse, de 05. Et dans la famille, tu as tué qui? Dans la famille, je n'ai pas encore tué quelqu'un. C'est pas possible. Si? Non. La sorcellerie commence avec les voies familiales, avant de se généraliser. Hein? Elle va commencer là-bas. On va l'aider. Non, non, c'est pas vous. Non, 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 c'est pas à vous de dire. Non, 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 non. Ça, nous évitons, nous occupons beaucoup ça. Elle est bien placée. C'est elle qui a commis l'acte. C'est elle qui doit parler. C'est pas vous. Même si elle vous a dit, moi je veux voir sa bonne volonté. Même si moi je sais des choses, je ne dis pas. Parce qu'il faut l'amener à comprendre que la chose, ce n'est pas bon. Et comment ça? Ça dit, c'est pas ses aveux.
qu'elle reconnaît puis qu'elle le regrette. C'est ça la confession. C'est avouer, regretter puis abandonner. Voilà, si nous voyons ça en elle, nous pouvons l'aider. Voilà, quand il me dit carrément, je n'ai pas tué le membre de la famille, donc j'ai fait un hic. Je comprends que non, c'est un problème. Parce que non, quand tu es dans la sorcellerie, il faut forcément livrer un membre de la famille. Comme ça, tu as droit à la parole. Quand tu dis que tu n'as pas tué, nous le savons, tout le monde ici, et que tous ceux qui suivent mon YouTube, tous les vues, ils savent que quelqu'un qui dit un sorcier, il a d'abord tué un membre de la famille, avant d'aller tuer le voisin ou la camarade. Et pourquoi on te met d'abord une pression pour parler, hein? On doit te mettre une pression pour parler. Oui. Comment on te force? Oui, oui, on a l'impression qu'on te force. Oui. Mais pourquoi on doit forcément parler à ma petite? J'ai tué la fille de mon mari. C'était un bébé, elle était là. Puis j'ai mis des bêtes. Elle est quoi? J'ai tué la fille de mon mari. C'était un bébé, elle était là. Comment elle a dit ça? J'ai mis un truc pour que ce soit un peu plus. Une cousine. Une cousine? Décembre passé. Elle est morte de quoi? Elle est tout encombrée dans son ventre, c'est pas elle est morte de quoi? Elle est tout encombrée dans son ventre. Oui, ils ont opéré, ils ont enlevé tous ses intestins. Et puis elle est morte? Elle est morte. Et les choses ont décomposé dans le ventre? Oui, elle est morte. Comment vous avez réussi à tuer? J'ai mis 3 boules dans son ventre. Hein? J'ai mis 3 boules dans son ventre. 3 boules noires qui avaient des feux dessus, et puis j'ai mis ça dans son ventre. Avec quoi? J'ai mis 3 boules. J'ai mis son intestin pour essayer, puis j'ai fait quoi encore? Je voulais pas qu'elle se marie, mais elle s'est mariée. Je voulais pas qu'elle ait des enfants. J'ai fait en photo pour pas qu'elle travaille, puis n'a pas arrêté ses voyages. Quelle tante? La grande de mon papa. Elle est où? Elle est à Cocody. C'est ça? Elle est où? À Cocody. Elle est partie. Tu l'empêchais d'avoir... Des enfants. J'ai fait ma carrière, elle va travailler et puis elle a fait ses voyages.